Le district de Moquegua, dans la province de Loguindo, a la particularité d'abriter une mosaïque de peuples à la démographie presque insignifiante, tels que Mokande, Simba, Defuma, Kona, Sake, Mbaouin, Pové, Akele et Makine. Leur importance culturelle est digne d'intérêt. La cohabitation harmonieuse dans cet espace territorial entre différents peuples a permis l'interpénétration de leur culture. Le peuple Mokande, avec sa tradition millénaire de pagailleurs, a transmis à tous les riverains de Logoué les faits et gestes qui les différencient des autres provinces. Au Gabon, comme dans le reste de l'Afrique, la pérennisation de la culture est assurée par la femme. Pendant la descente historique du peuple Mokande vers le Midi Mpongwe, qui deviendra en 1839 Libreville, actuelle capitale du Gabon, les femmes, comme vous le constatez, comptaient parmi les rameuses. L'origine de ces chansons remonte aux temps anciens. Elles ont accompagné nos ancêtres lors des mouvements migratoires. En même temps que la tradition de la culture sur Bruli, l'aigle de nos ancêtres, la traversée de l'Ogoué en pirogue remonte aussi au temps immémorable. La place importante qu'occupe la femme dans la tradition africaine en général, et gabonaise en particulier, se justifie par les danses initiatiques dont elles sont les seules à détenir jalousement les secrets. La relation entre le masque et la femme est évidente. C'est une danse réservée uniquement aux femmes. Elle possède souvent les initiations des jeunes en forêt, disons une bouche choisie par elles-mêmes, là où elles vont initier les jeunes. Pongwe, Namokan, Mimiangame, Bajaragiase, Toya, Mistre, Bangowe, Mabaka, Mobaka. Le peuple Mokande compte environ 8 rites initiatiques, dont plus de la moitié est strictement féminin. Le plus connu est Mimianga. La ressemblance entre Mimianga des femmes Mokande avec le Djembe et l'Ivanga des femmes Pongwe de l'estuaire a suscité quelques interrogations.
Attendez-vous-même. 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 Attendez-vous-même.